Vous êtes le fondateur du Club Aristote, vous êtes le directeur de la revue Perspective Libre, vous êtes aussi chroniqueur pour la revue Front Populaire et enfin vous êtes l'auteur du livre Enquête sur la loi du 3 janvier 1973. Selon la tradition de l'émission, nous allons commencer par une citation cette fois de Paul Valéry. Je cite L'Europe deviendra-t-elle ce qu'elle est en réalité, c'est-à-dire un petit cap du continent asiatique ou bien l'Europe restera-t-elle ce qu'elle paraît, c'est-à-dire la partie précieuse de l'univers terrestre, la perle de la sphère, le cerveau d'un vaste corps Que répondez-vous à Paul Valéry près d'un siècle après Déjà, je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre à un homme de cette dimension, parce que, bon, comme, comme tout lecteur de Régis Debray, j'ai une tendresse pour Paul Valéry à l'image du maître. Mais. Euh, il faut voir ce commentaire dans son contexte. Quand il écrit ça, les empires coloniaux existent encore. L'Europe a encore des, des esprits qui lui permettent d'être reconnue par le monde extérieur comme quelque chose de particulier. Ce qu'on appelait à l'époque déjà l'américanisme n'avait pas encore normalisé par la société de consommation le continent. Et aussi, les Européens n'ayant pas de vis-à-vis -vis qui leur soit égal, ils pouvaient s'illusionner, se raconter des histoires. Alors qu'en réalité, l'Europe est déjà, en... enfin, les différents pays européens sont déjà en déclin de à ce moment-là. Déjà. Prenez un exemple simple. Un des pays les plus éminents, une des civilisations, ce que je ne pense pas qu'il y ait de civilisations européennes, Je pense que le terme ne veut rien dire, mais il y a une civilisation britannique, il y a une civilisation française, il y a une civilisation italienne, une civilisation allemande. Prenez la civilisation britannique. La civilisation britannique atteint son acmé de puissance sous Elisabeth, Elisabeth Ière, l'Angleterre élisabethienne. L'Angleterre victorienne est un déclin. M mais comme tous les appareils sont, et que seuls quelques esprits en sont conscients, parce que nous n'avons, c'est drôle d'ailleurs, nous on a un sens romantique de la décadence. On n'a pas ce sens de l'autopsie à vif qu'avaient les Romains. Les Romains ont regardé au sommet de leur puissance leur déclin à venir. Ils ont glosé sur leur, pendant des siècles sur leur déclin avant même que celui-ci n'ait lieu. Nous on ne l'a pas vu. Or aujourd'hui, on va être très clair, l'Europe est un petit capeur asiatique. Et surtout, euh, le fait de mettre l'Europe, point, c'est de nier ce qui a fait l'émulation des puissances européennes, c'est-à-dire justement de ne pas être relié. Ce qui a fait la force de l'Europe, c'est qu'elle était divisée. Elle a déjà été unie, euh, si vous voulez, dans le temps. Ça s'appelait la chrétienté. Après, vous avez eu les, euh, les nations. Et c'est à cette époque-là que vous avez l'Europe d'unité culturelle. C'est parce que tout le monde veut être le meilleur, personne ne peut se blairer et tout le monde devient puissant pour être indépendant de l'autre. Ça, c'était l'Europe. Et au moment où vous avez voulu les unifier en, nu en nuant les nations, en réalité, l'Europe a déjà disparu. Aujourd'hui, c'est un cap de l'Eurasie et c'est surtout le pion avancé de de ce qu'il faut bien appeler la civilisation occidentale, dont le cœur battant reste Washington. Point. Après, je pense que la meilleure alternative nous a été posée par un homme immense qui est Régis Debré, dans son ouvrage majeur qui est « Civilisation », c'est soit on est du côté de la civilisation qui existe, donc la civilisation occidentale, soit on prend le parti des cultures nationales. Moi, je prends le parti des cultures nationales. Vous l'aurez compris durant cet entretien, nous allons échanger sur l'Union Européenne, mais aussi l'OTAN, la guerre en Ukraine, mais aussi donc la politique intérieure française. J'en profite pour remercier nos fidèles contributeurs et auditeurs. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à commenter, partager, aimer cette vidéo. C'est très important pour le référencement. Joe Biden s'est rendu le 20 février à Kiev pour une visite surprise, euh, pour y rencontrer donc Vladimir Zelensky. Joe, B Joe Biden est-il le nouveau — John Kennedy. — Ouais, ça, ça, ça sentait... C'est horrible, comme d'ailleurs un empire déclinant fait du ressucé. Tu vois, c'est « Ich euh... bin ein Epader euh... euh, ». Le... Non mais c'est terrible. Non mais c'est terrible. Surtout qu'objectivement, prenez l'architecture de la sécurité intérieure américaine. On ne va pas toutes les passer en revue. Il y a 16 agences de renseignement, plus Crawl, etc. C'est un peu compliqué. Alors on me dirait, une bonne partie des agences ce sont des agences intérieures. Hein. Mais dans le Conseil de la présidence, vous avez la CIA, vous avez le Pentagone, qui représente l'armée, vous avez le Conseil de sécurité nationale, etc. Aujourd'hui, ce qui est quelque chose que, que nous, on ne voit pas vu d'ici, mais qui est, qui est un alignement de planètes extraordinaire. La CIA est d'accord avec le Pentagone pour dire que la situation en Ukraine commence sérieusement à être problématique et que toute victoire définitive sur la Russie est exclue. Point. Alors vous avez le Conseil de sécurité nationale qui maintient la version du conflit telle tel qu qu'elle arrange le Parti démocrate. Et le Parti démocrate lui maintient la version du conflit qui arrange le clan Biden personnellement, puisque malheureusement le clan Biden et ça c'est malheureusement une géopolitique impériale tout à fait classique c'est qu'à un moment l'empire faisant monter les grands chefs de guerre les ce qu'on appelle en Russie des boyards et eh bien les boyards couvrent par la politique leurs affaires très personnelles mais malheureusement le clan Biden et l'Ukraine c'est une sombre et glauque histoire comme d'ailleurs les journaux américains ont été bien obligés de le reconnaître au début, ils disaient que c'était un coup des Russes. D'ailleurs, tout est un coup des Russes. D'ailleurs, le la grippe saisonnière, les corps aux pieds, enfin le le euh, les, euh, les les déjeuners d'affaires pas frais, etc. Enfin, tout est un coup des Russes aujourd'hui. Mais malheureusement, une partie de cette histoire est vraie. Le camp démocrate s'est beaucoup abîmé en Ukraine. Or, Joe Biden l'a fait une opération de communication qui, je vous le rappelle, a déjà eu lieu dans sous, sous d'autres latitudes, dans d'autres pays, des fameuses visites surprises en Afghanistan, vous vous rappelez, en Irak, vous vous rappelez, au Vietnam, vous vous rappelez, et ça n'a pas empêché l'armée du Sud Vietnam d'attendre que les Américains reviennent. Ils sont jamais revenus. Or, ça n'empêchera pas l'Amérique de retirer sa main. De l'Ukraine, un moment ou à un autre, quand elle sentira que le conflit commence à lui coûter trop cher. Je pense que M. Zelensky n'en est pas dupe. Lui, il veut juste des preuves d'engagement de ses mandataires pour pouvoir utiliser cela comme un élément de communication vis-à-vis d'une population ukrainienne qui s'interroge. Tout ça sur le dos du pauvre bidas ukrainien. Je mets de côté les Azov. Je mets de côté les Nazbrok. Je mets de côté ces gens-là. D'un côté. Il leur arrivera ce qui doit leur arriver. Mais le pauvre bidas ukrainien, lui, tout ça se fait sur son dos. Parce que c'est lui qui est en train de prendre micro-chaudron sur micro-chaudron et de se voir grappiller, dévoré et euh, broyé par euh, la, la nouvelle stratégie russe. C'est euh, En réalité, tout ceci est une communication de très mauvais goût. Vous avez parlé d'une sombre affaire Biden en Ukraine, c'est-à-dire ben, C'est-à-dire, ça, pour le coup. Euh, des gens très éminents comme quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est André Berkoff, ou quelqu'un que j'aime tout autant, qui est Charles Gave, en ont beaucoup parlé, et beaucoup de nos correspondants aux États-Unis en ont parlé. Hunter Biden, donc l'un des fils de Joe Biden, premièrement a eu des comportements très limites sur ce l'ukrainien que nous savons par lui-même, vu que conservait les preuves des dix comportements dans ses affaires personnelles qu'il a eu la bêtise de remettre un réparateur et de ne pas venir chercher et, euh, et aussi de s'immortaliser lui-même ce filmant, euh, disons, euh, euh, en prenant des traitements qui ne relevaient pas tous de la pastille Vichy et, de, et en ayant des gestes euh, qui lui vaudraient euh, plus que des MeToo euh, sous nos latitudes. Mais en plus, il y a des, des allusions dans sa correspondance à un pourcentage sur les affaires qu'il donnait à un homme qu'il appelle The Big Man. Et beaucoup dans la presse républicaine espèrent en tout cas que le Big Man n'est pas Joe Biden lui-même. Sinon, ça ferait, un, ça ferait premièrement une affaire glauque à mort, mais deuxièmement une, une faiblesse en termes de probité. Qui deviendrait une véritable affaire d'État. Le camp démocrate a la chance d'avoir l'appui de la presse sur ce point-là. Mais quand on envoie des hommes à la mort, et aujourd'hui il y a des Américains qui combattent par l'intermédiaire du mercenariat, qui combattent et qui meurent en Ukraine. Quand on envoie des hommes à la mort, on évite de faire ce genre de petites coucheries, c'est malaisant. Donc revenons à Joe Biden et l'Ukraine le président américain a promis des livraisons d'armes supplémentaires à kiev. est-ce oh. que c'est une bonne nouvelle? oh, tout simplement, il, il assure zelensky que le cirque peut continuer. ensuite, quand on voit ce qu'ont ce qu été historiquement les batailles de chars, que l'on parle particulièrement de blindés, dans un pays comme l'ukraine, je vous rappelle que quand les Soviétiques et les nazis se battent en Ukraine, c'est plusieurs milliers de chars de chaque côté qui s'affrontent. Là, on est sur du je vais t'en envoyer 30, je vais t'en envoyer 15, je vais t'en envoyer 20. Bon. Est-ce qu'on imagine que ça va faire une différence quelconque En plus, une partie de ces matériels va être sortie des arsenaux ils doivent être remis en état avant d'être envoyés au front. Certains contenant, particulièrement en termes de blindage, des technologies très avancées, ils vont être désossés avant d'être remontés sans les technologies en question, de peur qu'elles tombent dans les mains des Russes, ou qu'elles soient revendues. Puisque il y a quand même une porosité commerciale assez lourde euh, sur la question des armes que nous envoyons à l'Ukraine. Hein. Bon, chacun a la version du bon coin qu'il peut, hein, euh, j'ai pas de problème. Moi, de toute façon, j'économise patiemment, mon anniversaire est en mai, pour savoir si je peux avoir un drone Raptor sur le Dark Web. Mais, le... non mais, est-ce que, est que vous voyez ce, ce conflit Cet ignoble conflit où on envoie des mercenaires, on envoie des nazis, on revend le matériel, enfin, il n'y a aucun honneur là-dedans. Enfin, c'est vraiment un conflit ignoble, c'est... Il y a aucune gloire là-dedans. On revend le matériel à qui en fait on revend ses Alors armes on aussi. le revend à la mafia, on le revend à des terroristes, on le revend à euh, des groupuscules qui en ont besoin pour, entre autres, le, le grand banditisme, et on le revend à la Russie elle-même. Alors vous me direz, c'est pas la première fois qu'il y a de, de l'humour ukrainien. Je vous rappelle que M. Poroshenko, euh, à une époque, tenait à la fois euh, l'industrie des cercueils et l'industrie de la fourniture aux soldats. Hein, C'est-à-dire que euh, le soldat mangeait, il encaissait. Le soldat sans manger une, il encaissait aussi. Humour ukrainien. Sincèrement, c'est. Vous savez, quand on arrive à, en réalité à une hybridation, mon ami, euh, le stratège Bernard Wicht a, a écrit un, un petit livre là-dessus. Ce que l'Ukraine nous apprend de la guerre qui vient. C'est quand vous avez une telle hybridation de réseaux mafieux, de corruption à haut niveau, euh, de décomposition militaire, ça donne un visage particulièrement putride à la guerre. Et là, pour le coup, on remet une petite pièce dans le jukebox, alors que ces armes n'arriveront que dans quelques mois, que la situation se oh, ce sera certainement empirée, qu'elle ne qu'elles ne feront rien et que pendant ce temps-là, M. Zelensky, pour remettre des pièces communicationnelles dans le jukebox, euh, il va demander des avions, il va demander des missiles longue portée. Hein, euh, les mauvaises langues diraient que s'il le pouvait, il demanderait l'étoile de la mort et la batmobile. Donc, est... alors qu'en fait, d'un point de vue militaire, nous avons plusieurs milliers de mercenaires sur sol et que sans eux, l'armée ukrainienne qui a déjà énormément euh, morflé on a des chiffres délirants des nombres de morts et de blessés. Plusieurs dizaines de milliers. L'armée ukrainienne est en train de, de prendre une stratégie russe qui est de, de grignotage. Le, le, général de, le général en chef des forces russes a parlé d'une stratégie, stratégie plutôt de broyeuse. C'est-à-dire que les Russes sont en train de grignoter front par front en utilisant des micro-chaudrons, entre, entre autres. Et donc, c'est une guerre d'usure parce que, Jacques Beau l'avait très bien dit, ils veulent détruire le potentiel démographique de la puissance ukrainienne, enfin de la défense ukrainienne. Parce que pour la Russie, il s'agit que cette guerre, la Russie veut la faire une fois. Ils ne veulent pas la refaire tous les cinq ans. Ils ont retenu la leçon de 2014. Or, euh, l'Ukraine, au tout début du conflit, n'a pas si mal réagi quand elle a voulu... Très vite, faire au moins deux tentatives de paix. Monsieur, je crois que c'est monsieur Naftali Bennett qui d'ailleurs euh, s'était penché il n'y a pas longtemps en disant Oh, c'était pas si mal, mais. Euh, Puisque Israël a tenté d'être. d'avoir euh, une position d'ailleurs assez intelligente de neutralité euh, euh, dans ce conflit, euh, disant que deux, euh, deux euh, disons, rencontres diplomatiques au sommet euh, pour la paix ont été flingués par l'émission des Européens et des Américains. C'est facile de faire la guerre avec la peau des autres. Alors que pour le coup, je ne suis pas certain qu'à ce moment-là, M. Zelensky n'aurait été contre euh, tout simplement de de négocier sur la base des territoires qu'il avait perdus à ce moment-là, qui étaient bien moindres que les territoires qu'il a perdus depuis. Un véritable gâchis. Et ce n'est pas ni les coups de les redomanda de Burnet, ni les coups de Menton, ni les. Euh, je te donnerai peut-être euh, trois tanks, euh, trois chars léopards derrière un trou on fond d'un puits dans six mois, qui euh, ils changeront quelque chose. La seule chose, c'est que ça va rajouter des drames humains, c'est tout. Donc, on en est où là, du, du rapport de force Le rapport de force. La Russie a a eu des. Si vous voulez, on, on aurait dû prendre ce conflit pour faire baisser la tension. Rappelez-vous, avant 2022, on avait un mythe d'une armée russe invincible. Rappelez-vous. En réalité, toute armée qui est en puissance et non en acte est invincible. Par exemple, aujourd'hui, vous entendez exactement la même chose sur l'armée chinoise. Or, l'armée chinoise, elle, la dernière fois qu'elle s'est battue en, en haute intensité, c'était quand C'est face à qui Rappelez-vous. C'est face au, oui, le au Vietnam par euh, les Khmers rouges interposés. Oui, parce qu'ils se sont battus en 2020 avec des bâtons euh, en Himalaya contre les Indiens. L'armée indienne, exactement le même problème. Mmh. L'armée indienne fait une guerre d'usure au Cachemire, mais on n'est pas dans la haute intensité. Mmh. Dissuasion nucléaire réciproque oblige. Donc, le problème, c'est qu'une armée qui ne se bat pas est potentiellement invincible. Quand on entre dans la matérialité de la puissance, on voit les lacunes. Et la Russie a des lacunes, mais comme tout le monde a des lacunes. Ça ne veut pas dire que la Russie soit faible, loin de là. Ça ne veut pas dire que la Chine soit faible, loin de là. Ça veut juste dire nous sommes face à des hommes, et donc ils ne peuvent mettre que deux chaussures parce qu'ils ont que deux pieds. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment il faut arrêter de survaloriser l'ennemi pour se donner du courage, un peu comme les, comme les poivrons euh, s'en remettent une pour y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, malheureusement, l'Occident fantasme une menace ubiquitaire alors qu'il est en train de s'effondrer de l'intérieur et pas de l'extérieur. Or, le souci, c'est que nous aurions dû voir que la Russie avait des faiblesses, comme tout le monde, et donc que c'était une armée moyenne, qui est dans la moyenne de la puissance, et donc que ça ne sert à rien de bâtir tout un monde pour abattre la Russie. Ça ne sert à rien. Elle est trop forte pour être battue, mais trop faible pour être une menace mondiale. Ce dont d'ailleurs elle n'a pas la volonté. Il y a une particularité de l'armée américaine, mais la particularité de l'armée américaine, elle n'est pas dans la, vie, dans la euh, puissance matérielle. En Russie, face à la Russie en frontale, l'Amérique essuierait de très lourdes pertes. Les, Am les Russes aussi. Hein. Mais c'est que l'Amérique a une... L'Amérique a une arme, qu'elle est la seule à avoir, qui est une espèce de blanc-seing moral de la guerre. C'est-à-dire que la Russie doit faire la guerre en patin, sinon elle aurait détruit les villes, et elle emporterait la culpabilité aux yeux du monde. L'Amérique, elle peut se permettre. Syrie, Irak, je ne vous fais pas toute la liste quand même. On a un temps limité pour cet entretien. Et... Mais nous, on a tendance à l'oublier. Parce que ah oui, mais c'est les Américains quand même, ils doivent avoir une bonne raison, Allez voir à Bagdad ce qui euh, les reste des bonnes raisons. elles' m'en dire des nouvelles. Or, cette arme-là, l'Amérique est la seule à encore l'avoir. Ce qui lui permet, elle, de faire de la haute intensité, y compris contre des pays faibles. Mais ah, contre enfin, des les pays Russes, forts, Excusez-moi, le peut... les Russes, excusez-moi, mais ce n'est pas exemple de tout reproche. Est-ce Et... que j'ai dit ça Non. Est-ce que j'ai dit ça Non, vous n'avez pas dit À ça. aucun moment. Je vous dis juste que nous n'avons pas à avoir un mythe. De la, de la puissance russe, comme si... Euh, Pardon, ça, euh, il y a ce mythe, peut-être, au sein de la population russe. Oui, mais ça, si vous voulez... Peut-être pas aux yeux de l'extérieur. Non, non, si, aux yeux de l'extérieur, si. Vous, vous imaginez, le, dès, dès qu'il y a un problème quelque part, vous dites tout de suite que c'est un coup des Russes. Non, vrai ou faux vrai. Je vous rappelle quand même que je me, je me rappellerai toujours un rapport à hurler de rire américain. On évaluait les fameuses euh, attaques numérique russe. Et on s'est rendu compte que les opossums et les écureuils, en détruisant les câbles Internet américains, ont fait plus de victimes que les attaques russes réellement authentifiées. D'accord Donc, à un moment, il faut se rendre compte, moi, si vous voulez, je ne suis pas un ami particulier de la Russie, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que je, je nous vois nous obséder contre des ennemis qui n'en sont pas pour ne se cacher que c'est de l'intérieur qu'on est en train de crever. Ce n'est pas Vladimir Poutine et ce n'est pas Xi Jinping qui a mis l'Occident dans l'espèce de dépotoir à cheveux bleus qu'il est devenu. Nous l'avons fait tout seul. Et, et malheureusement, on a tendance, à, si vous voulez, à se bloquer contre l'adversaire extérieur pour éviter d'avoir à se regarder. Là, la première leçon de la guerre d'Ukraine, c'est non, la Russie n'est pas invincible. Par contre, elle est suffisamment puissante pour ne pas pouvoir être battue sur son sol. Donc. Nous devons négocier, faire de la diplomatie. Le problème, c'est qu'on a tellement peur de faire de la diplomatie aujourd'hui, de devoir regarder l'autre comme un égal, parce que nous sommes tellement pénétrés de notre conscience morale, alors que matériellement, on n'a plus trop les moyens de le ramener, qu'on en rajoute dans la noirceur de l'ennemi, ce qui, à la fin, va être payé par l'Ukrainien du quotidien. Donc c'est de la fabrication de l'ennemi. Il y a un côté fabrication de l'ennemi dans le cas russe comme dans le cas chinois. Or, en plus, ça ne marchera pas. Vous avez 82% des êtres humains qui vivent dans des pays qui n'ont pas pris de sanctions contre la Russie. Point. Et malheureusement, l'Occident a quatre points communs qui l'unissent déclin technologique relatif, déclin militaire relatif, déclin démographique constant, déclin moral constant. Navré de vous le dire, mais les quatre assemblées, ça ne fait pas un Transformers. D'accord OK Les quatre assemblées, ça fait des gens qui devraient peut-être moins la ramener. Ou essayer... Moi je veux bien qu'on tienne un discours de force à une condition, c'est qu'on redevienne fort. Parce que si tout ce qu'on a face à l'armée russe et demain face à la marine de guerre chinoise à Taïwan, c'est Bruno Le Maire, je pense qu'on pourrait peut-être prendre la petite porte. <laughs> L'Ukraine, mmh. donc euh, Zelensky, le président ukrainien, n'a de cesse de faire la tournée des, des chancelleries occidentales euh, et des plateaux de télévision mmh. pour demander davantage de soutien et d'armes et de blé. Est-ce que vous soutenez son combat Est-ce que, est-ce que pour vous, c'est un bon souverainiste Alors, premièrement, déjà, quand on est souverainiste, on ne laisse pas. Parce que quand Vladimir Zelensky est arrivé, il y avait déjà une partie des crimes face aux populations ukrainiennes du Donbass qui avaient déjà eu lieu. Et ça, c'est pas la Russie qui, les a, qui, qui a gueulé. C'est l'OSCE. L'OSCE, c'est nous. Okay. Moi, j'étais au Parlement européen en 2014. On savait tous que les populations russophones du Donbass allaient, allaient morfler. Et d'ailleurs, certaines organisations internationales occidentales s'en plaignaient. M. Zelensky avait été élu sur un programme qui était relativement équilibré. L'histoire dira pourquoi il a varié. Mais il est devenu brutal avec ses populations comme les autres. Or, faire souffrir une partie de son peuple, parce que c'était des Ukrainiens, mais si vous voulez, à force de se prendre des coups, ils se sont dit, bon, on sera peut-être un tout petit peu plus aimé de l'autre côté de la frontière. D'autre part, M. Zelensky... Devrait expliquer pourquoi il a massé ses troupes du côté du Donbass juste avant l'attaque russe. Parce que dans cette zone du monde, ça rappelle un très mauvais souvenir, ça rappelle la Kraïna, ça rappelle ce qui s'est passé en Croatie. Nous, nous avions fait un séminaire de recherche là-dessus au Cercle Aristote entre mon ami le balkanologue Alexis Trude et Romain Bessonnet, spécialiste du monde, euh, du, du monde post-soviétique. Un souverainiste ne fait pas ça. Ça pour vous, c'est avéré, ces troupes massées. Euh, donc, euh, en tout cas, il y a eu, il, de il y a eu des troupes qui ont été massées, en tout cas. Alors ensuite, est-ce que ces troupes étaient là pour faire une Kraïna C'est une hypothèse de travail. La seule chose, c'est que M. Zelensky ne s'est se, jamais expliqué sur la chose. Or, le, ce que je, je crains, c'est que M. Zelensky est arrivé dans un des pays les plus corrompus au monde. Ça, nous sommes, nous sommes d'accord que jusque-là, l'Ukraine avait cette réputation dans toutes les organisations internationales. Je pense qu'il s'est rendu compte que l'Ukraine est malheureusement vise, ce qu'on appelait dans le temps la grande braderie à l'Est, c'est-à-dire que c'est un pays qui est dominé par ses oligarques, que M. Zelensky ne pèse pas grand-chose, n'a pas pesé grand-chose, même après son élection, face à ça. Et donc, il a plié face à plus fort que lui. Ce que je peux tout à fait comprendre, parce que dans ce genre de pays, on peut tout à fait. Euh, à défaut de prendre la porte de manière discrète, on peut prendre la fenêtre de manière visible. Donc, euh, on peut avoir des fins de vie exotiques dans ces coins-là. Donc, je, je, ne, je, je ne critique pas ça. Je dis juste que euh, se défouler contre une partie de sa propre population pour fuir l'échec de sa politique intérieure, non. Être souverainiste, ce n'est pas ça. Et être souverainiste, ce n'est pas accepter. De voir ses mandataires se servir, euh, se servir dans, dans son pays comme on sert dans un supermarché gratuit. Vous voyez Donc, euh, ce n'est pas de la souveraineté, ça. D'ailleurs, la souveraineté de l'Ukraine aujourd'hui, pour le peu que ça a existé, pour le peu que ça existe, elle est surtout une espèce de, de, de compte sur lequel tous les mandants de l'Ukraine tirent chèques. Vous savez, la tentation de faire la guerre jusqu'au dernier, jusqu dernier Ukrainien. Et à la place de M. Zelensky, dans un pays qui déjà a perdu beaucoup de sa population, je vous rappelle par une immigration très forte, j'essaierai de sauver ce qui est sauvable. Et vous savez, on aurait pu s'en sortir très simplement. Admettons, une partie de l'Ukraine n'aurait pas voulu traiter ces populations-là comme ukrainiennes. Il y a un truc tout bête. Alors je sais qu'en Union européenne, c'est un, 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 un mot. Enfin. Euh, 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 Mieux, mieux vaut être euh, un, un comique déphasé qui écrase des gosses avec sa bagnole. Hein. Le, mais il y a un truc tout bête ça s'appelle un référendum. Alors je sais, hein, c'est sulfureux comme terme. Mais le, on aurait pu régler ça comme ça. Là, pour le coup, on a entre 200 et 250 000 morts à la, à la clé des centaines de milliers de blessés, de, détre, de, de destruction et de sans-abri à la serrure. Si on avait fait un référendum, ça nous aurait épargné tout ça. Est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est osé de faire la comparaison avec De Gaulle et Pétain Entre qui et qui Avec Zelensky. Vous le verriez plutôt de quel côté Ah non, c'est moi qui vous pose la question. Il a un côté prince-esclave euh, qui rappelle Pétain. Mais, premièrement, euh, il n'a pas l'excuse qu'avait Vichy. Vichy, elle devait se démerder avec un million à un million et demi de soldats allemands sur notre sol. D'accord plus, plus près d'un million d'otages. Là, M. Zelensky, il a juste affaire à des cartels mafieux qui lui préexistaient. Hein. C'est pas sa faute si y a la mafia en Ukraine. C'est pas sa faute. C'était là bien avant lui. La mafia était déjà en Ukraine, que lui, il, était en... il faisait ses gammes au piano à queue, pour ce qui rappelle ce, son brillant début de carrière. Donc, le. le non, non il, a, il a un côté prince-esclave, pour parler comme Gaston Fessard parlait de Pétain. Mais euh, en tout cas, ce n'est pas le chef d'une résistance, c'est surtout quelqu'un. Et, et moi, j'ai de la considération et, de la, et de la, une profonde pitié pour le bidas ukrainien qui va terminer euh, sous les chars de l'armée russe. Parce que lui, il se bat réellement pour son pays. J'ai aucun doute là-dessus. Le problème, c'est qu'il fait une guerre pour d'autres et que cette guerre est un véritable gâchis. Vous savez, moi, je ne suis pas un pacifiste. Je ne suis absolument pas un pacifiste. Je sais ce que c'est les pacifistes. Les pacifistes, c'est ceux qui ont appelé la Gestapo pour, euh, pour, euh, pour régler le problème de, me, de ma famille, parce qu'il faut faire l'Europe, comme disait Pierre Laval. Voilà, c'est ça les pacifistes. C'est les élèves d'Aristide Briand qui se sont jetés dans la collaboration. Je ne suis pas du tout ça. Je dis juste qu'il y a des guerres nobles, et il y a des guerres ignobles. Et là, on est face à une guerre ignoble comme toute guerre, ce qu'on appelle techniquement une guerre de proxy. Et les guerres de proxy sont ignobles parce que vous faites la guerre avec la peau des autres. Moi, je refuse de cautionner ça. Je refuse. Est-ce qu'on peut espérer la, la fin rapide des hostilités si les, Occidentaux, euh, si les Occidentaux laissaient faire le, un, un processus diplomatique simple, certainement avec quelqu'un qui respectait des deux parties, Erdogan, peut-être Netanyahu, et encore. C'est déclaration récente, bon, bizarre. Mais euh, nous avons fait un accord. Je vous rappelle que l'accord de Minsk, la Russie n'est pas partie des, aux accords de Minsk. Pas plus que la France et l'Allemagne. La France et l'Allemagne garantissent ces accords de Minsk qui sont entre les provinces russophones et le gouvernement de Kiev. D'accord. Nous avons sciemment menti. Alors évidemment. L'Allemagne, pour ses intérêts impérialistes multiséculaires, parce que l'Allemagne pense que les plaines d'Ukraine doivent être déslavisées, bon, ça c'est obsession, et flambie par, par pro-germanisme, parce que le, les intérêts de la France étaient tout sauf ça. Mais bon, les intérêts de la France et flambie, c'est sûr que ça fait deux. Donc euh, nous avons menti dans un accord international que nous devions garantir. Vous croyez que qui que ce soit prendra notre parole diplomatique au sérieux après ça Donc Emmanuel Macron, ce ne serait Emmanuel, pas le, Emmanuel, le bon médiateur. Emmanuel oui. Macron est vu de manière. Emmanuel Macron est une preuve que l'universalisme peut exister parce qu'il est universellement vu comme un tocard. Voilà. La diplomatie française n'a jamais été autant humiliée. Que euh, par la terrible logique Sarkozy, Hollande, Macron, toujours dominés par les mêmes groupes de pression, dont particulièrement le, le club des anciens ambassadeurs à Washington, anciennement tenu par M. Lévite, et aujourd'hui par une de ses créatures. Donc, plus une part de nos intellectuels de la défense, qui pour une partie non négligeable, tueraient euh, ferait père et mère. Pour être légèrement adoubé par, et par, les, par la puissance américaine, qui malheureusement manque de gamelles pour euh, nourrir tous les chihuahuas qui aimeraient s'y repa repaître. Donc, euh, non, il n'y a plus aucun pays occidental qui soit, euh, qui soit pris au sérieux par le monde en développement sur ce dossier-là comme sur d'autres. Pourquoi dites-vous ça à propos d'Emmanuel Macron Parce qu'il a des, des propos qui changent. — Parce qu'on a donc... Euh, alors, il a dit à Munich euh, être prêt à intensifier le soutien français à l'Ukraine et à un conflit prolongé. Mais quelques heures après, il disait... Euh, donc il mettait en garde ceux qui voulaient avant tout écraser le, la Russie. Et si, il s'est dit favorable à une solution négociée. Si — Alors premièrement... — Quel Macron faut-il croire ?— si vous, vous savez, mon père est médecin de campagne. Depuis que je suis petit... Il me met en garde, n'accorde pas trop de, de poids aux paroles des alcooliques et des toxicomanes. Et j'essaye de suivre cette sagesse paternelle. Donc, euh, à titre personnel, je me contrefiche. Quand est-ce que Emmanuel Macron fait, une, une, a fait quelque chose d'exact dans la gradation de la sincérité Je m'en fous. Il n'en est pas capable. Et surtout, c'est un homme qui a avilé la parole de la France, qui a clochardisé notre armée, qui fait qu elle, qu elle, que malgré... Bon, elle était déjà clochardisée avant. Non ça fait combien de temps que le petit est au pouvoir 2017. 2017. Avant. avant, il était à Bercy, donc les principaux fossoyeurs de l'armée française, et avant, il était secrétaire général de l'Élysée de Flambie. Donc, euh, ça fait beaucoup quand même. D'accord Ça fait beaucoup. Est-ce qu'il est seul Non. Il est la plus belle fleur d'une classe politique dont la trahison est l'ADN. Ces hommes ont fait en sorte que notre armée, malgré le courage et l'abnégation sans bornes de ses soldats, ne pourrait pas défendre notre territoire en cas d'attaque. Et, les... et vous croyez qu'ils vont euh, qu'en qu déshabillant le peu qui reste de notre armée, nous allons. Euh, Briser l'armée russe Je vous rappelle que depuis huit mois maintenant, nous annonçons que la Russie n'aura bientôt plus une cartouche, et bientôt plus un missile, bientôt plus un obus, et que les, et que les soldats russes semi-alcooliques avec leurs semelles trouées vont certainement charger à la baïonnette pour ceux qui n'auraient pas revendu leur baïonnette pour s'acheter de la vodka. Et, euh, et bien malheureusement, ce n'est pas arrivé. Et qu'aujourd'hui, ceux qui commencent à manquer de munitions, c'est les pays de l'OTAN communiqué officiel, nous sommes d'accord, hein je ne l'invente pas. Donc, je suis désolé, au, au passage, je rajouterai un petit peu à la barque, Emmanuel Macron est sociologiquement issu d'une caste qui a détruit l'esprit de défense au sein de notre peuple. Alors, une fois qu'on a avili une population, on ne lui demande pas, comme un bouton électrique, euh, si tu veux, de, de devenir... Euh, une légion romaine embardée, ou de devenir euh, les cadets de la France libre à Bir Hakeim. Il hein, y, y a des médiations entre euh, le, le cheveu bleu à tatouage maori et, euh, et le légionnaire. Hein, on ne peut pas switcher de l'un à l'autre. — Vladimir Poutine a laissé entendre que la Russie n'utiliserait pas l'arme nucléaire en premier, mais uniquement en réponse à, donc, à une éventuelle frappe euh, ennemi de, de ce type sur son territoire. Mmh. Est-ce que Poutine est rationnel ou est-ce qu'il est devenu fou euh, Je m'en étais euh, un peu violemment expliqué euh, chez, euh, chez Eric Morio. Titre personnel, je ne supporte plus la tendance occidentale à psychanalyser l'adversaire. Je. Ça me rappelle de très mauvais souvenirs. Je vous rappelle que ce sont les puissances occidentales qui ont créé la psychiatrie punitive. C'est la France contre les communards. Les fascistes n'ont rien inventé, les staliniens non plus. Ils n'ont fait que nous copier. J'estime quand on a ce legs d'utilisation punitive de la psychanalyse et de la psychiatrie, on évite, là encore, de la ramener. Mais non, nous on est obligé de la ramener. Alors, est-ce que Poutine est mourant Est-ce qu'il euh, est euh, n'aurait pas contracté le sida de la palourde qui s'équilibre avec son cinquième cancer le... Son cancer ne le tue pas uniquement par injection massive de vodka. Donc, en intraveineuse, c'est décapant. Elle... Est-ce qu'on se rend compte que cet homme est chef d'État Qu'il est chef d'État depuis deux décennies Qu'il a pris un pays qui était... Qui avait vu fondre son PIB d'un tiers et son espérance de vie des hommes euh, de près de 7 ans, et qu'il en a refait une puissance mondiale. Je ne dis pas qu'il faut l'apprécier, je dis que ça, ça mérite au moins un monsieur. Est-ce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, un homme comme Erdogan a une parole beaucoup plus fiable pour le monde en développement, qui est le monde qui va vivre, que la plupart des, états, des chefs d'État occidentaux quand nous sortirons de notre beau rêve rose bonbon, où on pourrait faire air de, de la politique internationale euh, en mettant des motifs sur ses chaussettes, ce que fait M. Trudeau, le jour où nous sortirons de ça, il sera peut-être trop tard. Vous voyez ce que je veux dire Parce que, en face, nous avons des hommes qui sont des hommes adultes. D'accord Ce ne sont pas des grands gamins capricieux et droits de l'homiste. Ce sont des hommes qui ont vécu... La précarité de la vie. Je vous rappelle qu'un homme comme Vladimir Poutine a vu la Russie mourir deux fois. Deux fois. Il le dit lui-même. La vie est une petite chose fragile. Un homme comme Erdogan a connu la prison. Un homme comme Xi Jinping est né en disgrâce. Son père a été torturé lors de l'affaire de la bande des quatre. Est-ce qu'on se rend compte que ces hommes ont une épaisseur que euh, nos champions de, de trottinettes multicolores n'ont peut-être pas Vous voyez ce que je veux dire donc, à titre personnel, dans les relations internationales, je vois toujours la rationalité de l'homme qui est en face de moi. Sinon, je suspends. Nous sommes d'accord que si Vladimir Poutine est fou, on ne peut pas faire de diplomatie. Donc, qu'est-ce qu'on fait On va faire la guerre avec les armées qu'on n'a pas Donc, évidemment, je pars du principe que cet homme est rationnel. Sur l'aspect nucléaire, il ne fait qu'utiliser un argument de bon loi qui est le mythe de la frappe. De, de la frappe de réponse. En réalité, d'un point de vue technique, mais là, des stratèges, je pense à quelqu'un que je vous recommande, vu qu'en plus, il vient de, de, de sortir le premier numéro de, de sa revue sur l'espace. Euh, il vient de sortir un ouvrage majeur de stratégie avec Jean Lopez euh, qui s'appelle La conduite de la guerre, qui est Benoît Billon, qui avait écrit euh, dans mes éditions, enfin, euh, euh, j'avais publié son un de ses ouvrages sur la guerre, la pensée et l'affaire. Euh, il avait tranché la question en disant une chose simple. L'utilisation de l'arme nucléaire, si vous frappez le premier ou si vous frappez en second, ça dépend du nombre d'ogives que vous avez. Or, les États-Unis et la Russie, on est au-dessus de... On est 000, théoriquement entre 4 et 5 000 ogives par tête de pipe. Donc, évidemment, ils frapperont en premier. Évidemment. Mais Vladimir Poutine ne veut pas ne veut pas pour une raison c'est que l'arme nucléaire je le rappelle est une arme de non emploi et deuxièmement premièrement c'est une arme de non emploi et deuxièmement c'est une arme si elle devait devenir une arme d'emploi c'est une arme d'emploi unique je ne sais pas si vous mesurez la force de nos armes atomiques aujourd'hui ce que nous appelons armes atomiques aujourd'hui Hiroshima et la catastrophe humaine qui est Hiroshima est un barbecue à côté. Donc à un moment, là aussi, soyons adultes, l'arme nucléaire, calmos. Vous savez, pour une raison qui est très simple. L'arme nucléaire est une arme de non-emploi, mais c'est également une arme de non- de c'est également une arme, si vous voulez, de, de non-réplique. Je m'explique. Prenez le cadre d'un bouclier antimissile extraordinaire. Admettons, il suffit qu'il y en ait une qui passe. Une seule. Et le problème est réglé. Donc, évitons euh, les prophéties autoréalisatrices. Évitons de nous mettre dans la tête que nous sommes à ça de l'hiver nucléaire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je me méfie beaucoup de ce storytelling-là. On nous l'a déjà fait pendant la guerre froide pour nous faire les poches. Et euh, ça a bien marché à l'époque. J'espère que nous avons grandi depuis. D'autre part, il euh, faut quand même se méfier. L'hiver nucléaire, c'est pas sympa. Hein. Vous savez, il y, euh, y a peu de formes de vie qui résistent. A priori, il y a les Blattes, euh, les Scorpions, euh, Christophe Barbier. Donc que, que <laughs> des... Que des euh, Enfin, que des formes de vie dont permettez-moi de, de, de douter du maintien de la civilisation si elle venait à triompher. Donc vous parlez de storytelling, est-ce que ce sont plutôt nos médias qui sont devenus fous Oui, là par contre oui. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a viré, que premièrement on a évincé les Russes des rencontres scientifiques Donc on pénalise la science pour la politique alors que je vous le rappelle, quand on avait encore deux neurones pendant la guerre froide, on multipliait les rencontres avec les scientifiques russes qui nous permettaient d'avoir des scientifiques russes qui passaient à l'ouest. Le problème, c'est que là, on a peut-être peur que de ne pas trouver de candidats. Mais vous vous rendez compte, on, a, on est allé jusqu'à virer les chiens russes véridiques, hein mmh. des concours canins. Non, non mais, mais au secours. La pire période en termes de sanctions personnel contre la Russie pendant la guerre froide, c'est au tout début de ce qui va devenir la guerre froide, c'est juste après la révolution d'octobre. Même à ce moment-là, on n'est pas allé jusque-là. Alors que je suis désolé, avec toute l'opprobre qu'il y avait contre l'Union soviétique dans les années 50, la Russie, qui est depuis les années 50 notre fournisseur régulier d'énergie, n'a jamais manqué à sa parole. Je ne dis pas qu'il faut les aimer, je dis que au moins comme fournisseurs, ils ont été à peu près réglo. Donc, de faire tout ce bins, et vous vous rendez compte qu'après toutes les saloperies qui ont été dites, je vais vous donner un exemple euh, quelqu'un que vous avez reçu, je crois, euh, qui est euh, comment il le, le Ménat de la, de la Commission européenne, ce quatre maires, je crois. Qui a, qui a parlé de l'aspect démocratique de la des déportations de populations russes de Crimée. Alors euh, moi, titre personnel, moi je suis de famille de déportés, donc moi ça me ça m'arrête. Ce genre de discours m'arrête tout de suite euh, devant un Nicolas Tenzer qui, alors, alors, lui de toute façon avec un des euh, vous, vous rendez compte qu'aucun aucun film tank américain ne travaille sur la dépopulation des Russes de Crimée. Hein. Ça c'est une c'est une folie strictement UE médias UE. Hein. Les, les Américains sont des adultes, hein, ils, ils travaillent pas sur ce... En plus, c les Américains, ils font parfois du glauque, mais ils évitent de ce... Se... L'onanisme du glauque, si vous voulez, ils évitent de, de se toucher là-dessus. Vous vous rendez compte que si on déporte les populations de Crimée, premièrement, il va falloir passer à travers l'armée russe pour le faire. Jusque-là, je suis moyennement convaincu. Mais deuxièmement, si on est historiquement juste, si on enlève les Russes de Crimée, il faut les redonner aux Tatars, donc il faut les redonner au sultan. Il faut les donner à Erdogan. Et si on va encore avant, il faut les donner aux Grecs. Mais en aucun cas aux Ukrainiens. Vous voyez Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce que dans un pays comme la France, qui a connu des milliers de déportés de martyrs, on puisse dire le terme déportation en disant que c'est démocratique et qu'il faut le faire sans que personne hurle. Vous voyez Ça, c'est de la folie furieuse. Et à titre personnel, et là je, je diffère d'une partie des, des experts proches du cercle Aristote, pourquoi moi je suis pour que tout le monde ait une expérience militaire dans sa vie, pour que personne ne puisse se permettre cette emphase verbale et meurtrière C'est facile d'appeler au conflit quand soi-même on entendra siffler que des balles de tennis. D'accord Or, ces gens-là sont d'autant plus violents dans leurs paroles. Qu'ils ne savent pas que personne ne court plus vite qu'une balle, parce qu'ils en ont jamais vu une. Vous voyez ce que je veux dire Pourquoi c'est le Pentagone qui retient la main américaine depuis le début Parce que c'est des soldats. Et que la guerre est un fait social total et matériel. Vous voyez 260 mètres secondes courent plus vite. Ok Ce qui fait de des hommes sérieux. Le problème, c'est que nous avons une génération entière de décideurs occidentaux qui sont des petits minets, qui ne savent pas que la vie ça peut être fragile, court, dangereux et, et souvent mal se finir. Et qui parce que ils n'ont pas d'expérience de vie et qu'ils savent qu'il ne leur arrivera jamais rien parce qu'ils vivent euh, dans le coton, et eh bien ils peuvent se permettre de jouer avec la vie des autres comme on joue au dé. Donc, Mais pour ma... vous, on n'est pas encore en guerre contre la Russie Mais nous, alors, alors que l'Allemagne ait dit par sa ministre de la Défense qu'ils sont en guerre contre la Russie, oui. La guerre des Germains et des Slaves, ça fait mille ans qu'elle dure. Le... Et l'Ukraine, en 2014, je peux témoigner qu'ils y étaient, au premier chef. Mais nous, moi je suis désolé, la France n'est pas en guerre contre la Russie. Malgré ses livraisons d'armes. Alors, il y a le statut de la co-belligérance. Si vous voulez, là, c'est un point en plus qui, en droit de la guerre, est discuté en droit de la guerre. C'est-à-dire, est-ce que le fait de livrer des armes, est-ce que la nationalité des mercenaires, euh, quel lien entre les mercenaires et l'armée régulière euh, Par exemple, ça pose énormément de problèmes vis-à-vis -vis du cas américain. Académie a énormément évolué depuis l'Irak et la Syrie. C'était Blackwater. Ouais devenu Académie vu que le terme Blackwater était beaucoup trop connoté vu le nombre d'exactions. Et le, le problème, c'est qu'Académie aujourd'hui a énormément évolué. On trouve un nombre anormal de militaires américains en permission au sein des troupes d'Académie aujourd'hui. Au point que certains experts se posent aujourd'hui la question ouvertement de l'indépendance d'Académie vis-à-vis de l'armée américaine. Ce qui voudrait dire que ce ne serait plus uniquement du mercenariat, mais là pour le coup de la guerre sous faux drapeau. C'est-à-dire d'utiliser une boîte privée alors qu'en fait c'est une part de l'armée régulière. Comme Wagner. Exactement. Exactement. Et pas plus supportable dans un cas comme un comme dans l'autre. Mais au moins, quand Wagner marche aux côtés de l'armée russe, on se dit c'est à peu près raccord. Vous voyez ce que je veux dire Or, premièrement, à titre personnel, j'ai peu de respect pour les guerres de mercenariat. Parce que vous savez, il y, a deux, il y a deux visions du mercenaire. Il y a ce qu'on appelle le soldat libre, le corsaire qui choisit ses causes. Oui. Bob Denard. Bob Denard, oui. Ça, c'est des exceptions. La vraie vision du mercenaire, vous l'avez dans un vieux film avec Christopher Walken, qui s'appelle Chien de guerre. C'est déjà beaucoup moins bordant, je vous le dis tout de suite. Or, le, euh, le, le problème, c'est que, à titre personnel, je ne suis pas assez versé en droit. En... Il faudrait demander à un vrai expert, je pense à David Cumin, par exemple, qui a fait un traité de droit de la guerre ce qu'il en pense. En plus, c'est un très bon politologue. L'Université de Lyon 2 ou Lyon 3. Mais le... je ne suis pas assez versé pour trancher cette question technique. Tout ce que je peux vous dire, c'est que d'un point de vue politique, nous n'avons pas à être en guerre contre la Russie. Et que nous paierons très longtemps des livraisons de, de matériel qui ne nous rapporteront rien et qui ne font que rajouter du chaos au, du chaos, au chaos ukrainien. Mais la Russie n'est pas notre ennemi, n'a pas à le devenir. Revenons à cette date, le 24 février. Donc la Russie débutait il y a un mmh. an euh, son opération militaire spéciale, comme elle l'appelle. Mmh. Toujours, les Atlantistes, les néocons, ceux qui dénoncent toujours à Bruxelles donc les ingérences russes comme rafael Luxman ou Nathalie Loiseau, est-ce qu'ils ont eu finalement raison contre contre vous, les souverainistes, eux qui croyaient une relation, enfin, eux qui ne croyaient pas finalement à une relation euh, normalisée avec Moscou. Ah bah de toute façon, ils ont tellement cherché la guerre qu'ils ont fini par l'avoir, oui. Mais euh, sur la longue durée, c'est la logique d'équilibre des puissances qui prévaudra. Donc de toute façon... C'est-à-dire Une chose simple. La multipolarité n'est pas un projet. La multipolarité est un fait. Soit vous l'acceptez, soit vous serez sorti de l'histoire. Point. Le camp souverainiste auquel j'appartiens, et ça a été son honneur, a été le seul camp politique en France il y a plus de 20 ans, je le sais vu que ça avait commencé avant que j'arrive. Moi j'ai 17 ans de métier, donc euh, à prendre en compte ce que j'appellerais l'humanisme de l'autre homme. C'est-à-dire que un monde allait se dessiner avec de nouvelles puissances. Et que face à ça, il y avait, il y avait grand, dans les grandes lignes, hein, je vous schématise, il y avait deux manières de le voir. Soit on le voit comme une chance d'avoir un monde plus divers, plus incertain également, mais on fait de la réalité une chance au lieu de se l'avoir imposée, ou on s'accroche à l'ère ancienne et à la guerre froide, de là à sacrifier des vies humaines pour une puissance qui de toute façon s'évanouit. Vous savez, le déclin des Occidentaux est lié à leur dégénérescence personnelle. C'est pas l'autre qui nous a fait ça, nous nous sommes fait ça nous-mêmes. Et vous pouvez accuser et vous pouvez faire toutes les guerres de proxy à la con que vous voulez en Syrie, en Ukraine. Au Karabakh demain, euh, à Taïwan après-demain, ça n'y changera rien. Les miens ont prévu ça il y a 20 ans. Et nous, nous essayons, parce que pour nous c'est l'intérêt profond de, de la France, et c'est notre honneur d'homme, de ne pas... Euh, si vous voulez plier devant une logique guerrière aveugle qui ne sert à rien, mis à part la rigueur à enrichir des marchands de canons et les actionnaires des marchands de canons, parce que la vraie guerre, le vrai djihad de l'Occident, c'est contre son propre déclin. Je parle djihad au sens du djihad intérieur qu'ont les musulmans. Vous savez? la guerre que l'artéguy le grand écrivain militaire français disait tout homme est une guerre civile une très belle phrase c'est très vrai nous c'est notre guerre notre guerre c'est d'échapper au déclin dans lequel nous nous sommes mis ce n'est pas d'exporter notre vide par les bombes aux quatre coins du monde en espérant y échapper parce que si imaginons allez la Russie est vaincue et même certains veulent aller la Chine est vaincue OK d'accord et ils sont des membres. — ils, ils sont des membres. Et... — <laughs> Ça, c'est Nicolas Tenzer. Voilà, oui, oui, très bien, très bien. Voilà, euh... il pas de souci. Le... Alors, ça me fera marrer la manière dont ils vont vouloir dé dépecer la Chine, alors que euh, ils vont faire quoi Ils vont utiliser les Wigo, les mancho Non mais ridicule. Mais bon, admettons. C'est des... Est-ce que ça empêchera l'Occident de, de devenir de, de, de devenir des dégénéré Non. A aucun moment. Vous savez, Amélie Nothomb, qui est une référence que j'utilise rarement, elle avait fait un bouquin, je ne me rappelle plus lequel, dans lequel un jour, les Occidentaux, ulcérés par le visage de l'autre, euh, détruisent le monde entier par des bombes atomiques, et résultat, le planisphère serait réduit à l'Occident. Tout le reste a été rayé par le feu nucléaire. Mais je peux vous dire que imaginons que ça arrive, parce que déjà, on essaye de s'habituer à vivre virtuellement dans, dans un monde où on n'entend ne que l'écho de la voix de l'Occident. Je peux vous assurer que les Occidentaux ont toujours une vie de merde pour autant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... On peut dire ce qu'on veut du, du grand satrape Poutine, du grand satrape Erdogan ou du grand satrape Xi, Xi Jinping, mais ce n'est pas eux qui nous ont fait dégénérer. Donc moi je, je suis heureux que les miens aient refusé de marcher dans cette combine qui de toute façon est tout à fait symptomatique de l'Occident actuel. Pour parler comme mon maître, comme un de mes maîtres intellectuels, Régis Debray, cet Occident de tireur de petits coups. Parce que là, oui, d'accord, on est fâché avec la Russie, on va payer l'énergie plus cher, l'inflation va, va bouffer une partie de notre capital économique, très bien, ok, ouais, ok, bravo. Mais, un moment ou un autre, la question du rétablissement des relations économiques, commerciales et diplomatiques va se poser. Que vous le vouliez ou pas. Pourquoi vous. Et ça, il tu... ça, y a une forme de séparatisme intellectuel occidental. C'est-à-dire que nous voulons être à part, mais on veut être à part du monde, des 82% du monde quand même. Hein. C'est pas rien. Et on veut être à part, mais on veut que vous nous obéissiez quand même. Vous voyez, nous, c'est nous. On est supérieur à vous. Et d'ailleurs, vous devriez marcher dans une, à l'ombre, dans notre ombre. Le problème, c'est que pu... ils ont gagné la puissance. La Chine a gagné sa puissance. Elle, a gagné, elle a gagné le, l'a gagnée. Elle l'a gagnée par la sueur des Chinois, par leur inventivité, par la bravoure de ses de, de, de soldats. Avec elle... les armes occidentales aussi. Ils sont venus les chercher. On leur a vendu jusqu'à oui. preuve du contraire. Oui. Donc, si vous voulez, c'est... Moi, par exemple, sur le cas chinois, ça m'énerve particulièrement. C'est-à-dire les, les mecs, ah oui, les Chinois, ils ont des usines, les salauds. Ouais, c'est toi qui leur a vendu. Ouais, mais euh, c'est dégueulasse. Pourquoi Parce que t'as parce que as dilapidé l'argent euh, à Pattaya et euh, et euh, en, en substance que la morale réprouve, parce que tu les as pas réinvestis. L'Occident n'a pas réinvesti l'argent qu'il a qu'il qu'il a eu de la Chine contre ses usines. Cet argent, il a, il est parti en fumée. Donc pour vous, la guerre en Ukraine accélère la, la désoccidentalisation du monde Alors oui, sur, sur un point précis, ce que, ce que euh, un, un, des, un des hommes à qui, euh, qui je dois en partie ce que je suis, qui est Jacques, qui est Jacques Sapir, appelle la, euh, brillamment la sécession du Grand Sud. Oui, ils veulent même pas une confrontation avec nous. Ils ne veulent pas... Alors déjà, ils il voulait voulaient pas obéir à notre impérium quand on était fort. Mais alors, si pour être, en plus, si c'est pour être dominé par Trudeau, euh, Macron euh, et Biden, non. non. Les chaussettes et les, ch les cheveux bleus. Non, mais voilà, le, le, les chaussettes multicolores, <laughs> euh, euh, les, les, les cheveux bleus, euh, les tatouages euh, maoris euh, euh, sur employés de banque. Non, non. Non, mais vous, vous comprenez qu'en plus, en plus, il faut bien comprendre le type de domination occidentale. L'Union européenne va plus loin en termes d'humiliation que, que toutes les anciennes puissances coloniales. Les puissances coloniales, elles, elles humiliaient par leur, pu par leur présence. Nous sommes d'accord. Mais par exemple, elles n'essayaient pas de réglementer ce que vous aviez droit de faire dans votre chambre à coucher. Par leur volonté aussi de civiliser aussi le. Tout à fait. Mmh. Mais euh, l'Union européenne. Le bon sauvage, mais alors, l'Union européenne, elle arrive, elle vous donne des ordres. Elle essaye de normaliser vos types familiaux, ce que nous n'avons jamais fait, en disant, euh, si, si, vous allez avoir une gay pride euh, au Caire ou à Abidjan, ce qui veut dire au passage faire tuer tous les gens qui y participeront, je vous le dis tout de suite. Et ça, par exemple, cette humiliation-là, elle est nouvelle. Et vous allez chercher les gens jusque dans leur chambre à coucher. Vous êtes de grands malades. Vous êtes des cinglés. Moi, je l'ai vu pendant des années au Parlement européen. Vous humiliez des pays entiers sur leurs modèles familiaux, sur leurs droits des minorités, sur la place des hommes et des femmes dans leur société. Vous les violez dans leur intimité. Vous faisiez même pas ça quand vous aviez des soldats chez eux. Là, pour le coup, ça passe mal, hein. je vous le dis franco. Hein. Et ils veulent même pas vous affronter, ils veulent être en dehors de votre dégénérescence. Par contre, si vous allez les chercher... Une fois qu'ils se seront éloignés, vous allez les chercher, là il y aura confrontation, vous les mettez contre le mur. Bon mais ben, ils vont se défendre, hein. Le problème c'est que s'il y a match, méfiez-vous. Parce que oui, vous avez des chars, mais ce n'est pas des chars de combat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc euh, méfiez-vous. Donc le, le. Tout ça pourrait nous être épargné. Si nous arrêtions cette mentalité sécessionniste et qu'on se dise écoutez bon voilà aujourd'hui le monde mérite un grand westphalie vous avez votre puissance vous avez votre souveraineté vous les avez gagnées donc maintenant on va redéfinir les règles du jeu pour tout le monde la France pourrait tout à fait faire ça elle a toujours été à l'aise dans ces trucs là une conférence de Vienne quoi ouais. un congrès de Vienne ouais. que demandent les pays en développement ils demandent le respect du droit international classique ça, ça casse pas trois pattes à un canard. Ils demandent la démoralisation de la vie internationale, c'est-à-dire votre morale n'est pas supérieure à la nôtre. Ça nous fera le plus grand bien d'arrêter d'être les croisés des droits de l'homme, vu ce que ça nous a fait. Et la puissance est un droit. Mais quand ils, quand ils pensent que pour eux la puissance est un droit, vous vous rendez compte Le service qu'ils nous donnent, ils veulent être forts, ce qui nous oblige nous à l'être. Ils nous rendent un service fa fabuleux. Pourquoi nous pourquoi n'acceptons pas ce présent-là Qu'est-ce qui reste de la mentalité coloniale Moi, si vous voulez, c'est une partie de mes recherches aujourd'hui porte là-dessus. Qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qui fait que, alors qu'on était prêts dans les années 50, 60, 70 à faire dialoguer les grandes traditions après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 80, on repart en croisade euh, dès que les droits de l'homme deviennent une politique et on s'abétit à l'aune de ça. On s'est lourdement abétis. Il y a des fondamentaux et des universaux sur lesquels nous pouvons rebâtir un angle international. Mais ça, ça ne se décrète pas. Ça se sécrète par le dialogue entre les grandes nations. Est-ce que c'est si compliqué plutôt que d'envoyer nos fils crever à pétauchnoc dans des conflits qui ne les regardent pas C'est. Je vous le dis, moi je n'ai rien contre la guerre. J'ai trop de respect et d'admiration et d'amour pour les hommes qui la font. Je dis juste que ça, ça, ce ne sont pas des guerres nobles. C'est juste de maintenir un état de violence pour pouvoir faire un peu de bise, un peu de business et mettre un peu de chaos. C'est du gâchis de vie humaine. Ça ne sert à rien et de toutes les manières le vent l'emportera de toute façon. Ça, c'est même pas de la stratégie. Hein. C'est rien de plus que des coups tactiques minables. Ce sont des coups tactiques minables. Et je voudrais qu'on sorte de là parce que, excusez-moi, l'Occident était capable quand même de beaucoup mieux. La Commission va mettre en place cette semaine son dixième paquet de sanctions contre la Russie. Mmh, mmh. Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe, disait il donc il y a 11 mois notre cher ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Rien de tout ça n'est arrivé. Pourquoi Rien de tout ça n'est arrivé déjà. 2,2% de récession en Russie en 2020. Alors, vous avez eu, je crois, la chance d'avoir Jacques Sapir il n'y a pas longtemps sur le mécanisme technique. Euh, je vais vous dire une chose simple. Dans une de, de mes vies, j'essaye je de diriger des traductions de grands intellectuels mondiaux. Le plus grand économiste russe, j'ai eu l'honneur qu'il écrive dans ma revue Perspective Libre il y a qu'il le, le, qu soit en lien en tout cas avec Perspective Libre il y a quelques années, était Sa et Sergei Glaziev. C'est l'équivalent intellectuel de Jacques Sapir de l'autre côté. D'ailleurs, les deux hommes se connaissent. Sergei Glaziev a une œuvre euh, très impressionnante d'un point de vue doctrinal, dont un ouvrage qui s'appelle Sanctions et démocratie, que je pas, qui a pourtant été écrit en anglais, hein, donc euh, pas compliqué, euh, que je n'arrive pas à faire traduire en France. Parce que, bon, économiste russe, pourquoi pas quoi faire astronaute Et, la, hein, euh, voilà, ça doit être l'équivalent d'un prof de collège aviné. Ouais, c'est lui, c'est Thésar et ses étudiants qui sont à tous les étages du ministère de l'économie russe qui ont préparé la Russie patiemment en sanctions. Ils vous ont précédé d'un pas à chaque fois. Le problème, vous voyez, quand je parle de l'humanisme de l'autre homme, pour... C'est que vous leur auriez prêté de la rationalité et de l'intelligence. Vous ne vous seriez pas fait avoir. Mais non, ça c'était trop vous demander. C'était trop demander. Ça peut être que des pop avinés. Déjà, les sanctions en 2014 avait provoqué justement euh, bah, le, une espèce d'autodépendance de la Russie à, euh, par exemple, les céréales. La Russie est devenue numéro un euh, au mm -hmm. niveau des exportations de blé. Oui, parce qu'elle a tout simplement fait une dynamique, une, une dynamique d'amplification de puissance. Ce qu'on devrait faire nous, le, au, au lieu de, euh, au lieu de, 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 de nous torturer sur le droit des, des intersexués au quelconque du monde voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est que nous, non, la puissance industrielle, le patriotisme, tout ça, c'est tellement rétrograde. Ouais. Bah, résultat, vous savez, vous reconnaissez des systèmes politiques aux hommes qu'ils créent qu'ils sécrètent. Il y a des systèmes politiques qui sécrètent Bruno Le Maire et puis il y en a d'autres qui sécrètent Shoigu. Mais quand il y a match, ce n'est pas Bruno Le Maire qui gagne. Après, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, hein, les lois de la morale, les lois de la physique, les lois de ce que vous voulez, mais c'est pas lui qui gagne quand même. Donc, euh, voilà, Le. est-ce qu'on se rend compte que ce nombrilisme européano-centré et au centré fait qu'il y a des hommes immenses aux quatre coins du monde, que nous les méprisons, et résultat, à chaque fois que l'Occident part dans une aventure, ça se termine depuis 30 ans par Caramba encore raté. Je vais vous rappeler un souvenir qui est pourtant pas si vieux. Vous vous rappelez du coup d'État guléniste contre Erdogan Je me rappelle de toute la droite française. C'était 2016, non hmm, 2016-2017. Toute la droite française à l'époque. « Ah, ça y est On va enfin l'avoir interro !» voir. se trouve qu'il était interrogé médiatiquement en ce moment-là. « Vous savez, le sultan est doué pour survivre. C'est quand même un homme extrêmement intelligent. » Et le pire, c'est que c'est un des meilleurs journalistes internationaux de la droite, Laurent Arthur Duplessis, qui avait fait son, ses premiers portraits dans la presse il y a 30 ans, près de 30 ans. Mais on n'a toujours rien appris. Résultat en 24 heures, grâce à Poutine, il faut être honnête, Erdogan est sauvé, et euh, la plupart des chefs gulenistes de la rébellion avortée se retrouvent séparés de leur tête. Alors la tête de la rébellion a été, et puis la plupart ont été décapités, donc dans les deux cas, tout le monde a perdu la tête dans cette histoire. Mais le... nous aurions étudié le cas Erdogan, nous aurions été plus avisés. La seule chose, c'est que non. Nous, nous méprisons toute, toute preuve d'intelligence d'un chef d'État émergent. C'est terrible. Est-ce qu'on est qu imagine que Xi Jinping... Euh, Xi Jinping, c'est un homme qui se lève tous les matins avec la nécessité de nourrir un milliard de personnes. Vous imaginez la pression sur les, épaule sur les épaules d'un homme Mais nous, on refuse de voir ça. Eh bien, si on refuse de le voir de nous-mêmes, ne vous inquiétez pas, ils vont finir par nous y forcer. Ils ne veulent pas en arriver là. Et on ne doit pas en arriver là. Le problème, c'est que pour l'instant, ceux qui veulent a priori y arriver. Le... Vous savez, dans la Bible, David contre Goliath, ça a marché. Mais ça ne va pas marcher à tous les coups. Ça ne marchera pas nécessairement toujours. Donc, euh, vous voyez ce que je veux dire le... Alors que nous allons vers des problèmes globaux gigantesques, vieillissement accéléré de l'ensemble de nos populations, problème numéro un, problème écologique, Là, c'est vaste. On... Problème d'accès aux ressources surtout, et problème de schéma de vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'humanité encore a donné Tous ces grands problèmes-là peuvent euh, se résoudre, non pas par un État mondial, etc. Enfin, de toutes les, euh, toute la fumette italienne euh, euh, de gouvernance. Euh, c'est de la fumerie d'herberance. Et le mais tout ça peut se régler en intergouvernemental et là, on a de véritables, de, on a de véritables défis. Je ne sais pas si vous voyez que la totalité du monde, à l'exception de deux zones qui sont une partie du sous-continent indien jusqu euh, qui commence à l'Afghanistan et qui se poursuit jusqu'à euh, jusqu des pays comme le Soudan en ligne droite, vont avoir un petit doublement de population, mais en Afrique subsaharienne. Là, on va vers les triplements de population, donc de 1 à, 1 milliard, à 2 milliards, 2 milliards et demi. Il va falloir qu'on gère tout ça. On n'a pas le temps de, si vous voulez, de, de faire des grands jeux comme au 19e siècle, c'est-à-dire euh, je te prends l'Ukraine, toi tu me prends le sultanat de Bornéo. Enfin, tout, ce, tout ceci est ridicule. Si vous voulez, c'est la, la géopolitique telle que je la déteste, avec des gnomes qui jouent avec des cartes, avec des petits soldats et des petites voitures. C'est insupportable. Ça ne se passera pas comme ça. À un moment, il faut avoir un discours rationnel, il faut avoir un discours adulte. Moi, je n'ai pas envie que, que mon fils soit envoyé faire la guerre dans 20 ans euh, face à un Chinois qui lui aura rien fait. Vous voyez ce que je veux dire À un moment, il faut arrêter de déconner. L'Occident a des problèmes internes, les pays en développement ont des problèmes énormes internes. Quand mes enfants, mes, euh, qu quand, quand mes, mes jeunes enfants, qui ont moins d'un an, auront 20 ans, un Chinois sur trois aura plus de 60 ans. La Chine va avoir des problèmes de développement gigantesques. L'Inde également. L'Inde en plus a des problèmes écologiques gigantesques. Les États-Unis ont des problèmes, là vous avez vu ce qui s'est passé en Ohio, c'est-à-dire qu'on a mis dans un train hors des matières dangereuses qui euh, ont fait un accident industriel majeur. Pourquoi Parce que les infrastructures des États-Unis sont en train de s'effondrer. Donc à un moment, on a tous des problèmes majeurs. Donc essayons d'éviter de dévier nos problèmes internes sur un déraillement international. Vous voyez ce que je veux dire Et pour le coup, ce n'est pas un discours pacifique, j'estime que c'est un discours rationnel. Moi, si la France avait un, avait un véritable ennemi qui en voulait à son peuple, à sa puissance et, sur, et à son sol, est-ce qu'il faut l'atomiser Oui. Ce n'est pas le cas. Je vous ai pas beaucoup entendu parler de l'Union européenne. Euh, justement, on parlé, voilà, de la politique étrangère européenne depuis donc la crise économique de 2008, depuis aussi le Brexit, mmh. tous les intellectuels souverainistes prédisent donc la chute de l'euro, voire la fin de l'Union européenne. Mmh. Est-ce que c'est du wishful thinking? thinking bah alors il y, y a le, le problème, c'est que comme on est parmi les gens qui connaissent le mieux l'Union européenne et son juridisme, on aurait cru que, et ça a été la seule erreur qui a été faite sur l'euro, hein. enfin l'euro, je suis désolé de le dire, l'euro, nos économistes ont eu raison contre tout le monde. Le problème. On avait prévu que l'euro était une trappe à dette Fait. Que l'euro ne serait jamais une monnaie internationale de réserve Fait. Que euh, l'euro ne vivrait que comme béquille du dollar Ça c'est toute l'œuvre de Norman Palma Fait. La seule chose, c'est qu'on n'imaginait pas que les Américains iraient jusqu'à utiliser des parts entières du QE américain pour soutenir l'euro, qu'à Barack Obama, et on n'imaginait pas que la BCE pourrait violer à, à ses propres règles sans que euh, le juridisme allemand s'en mêle. Mais non, là pour le coup, euh, si vous voulez, les, euh, les maniaques... Ont filé tout droit alors que leurs règles, leurs propres règles, auraient dû les arrêter. C'est la seule erreur de quelqu'un comme Charles Gave. Hein. Quand Charles Gave dit l'euro tel qu'il était est mort, d'un point de vue technique, il a raison. Aujourd'hui, l'euro se permet des trucs qui sont interdits par les traités. Bon, Or, moi, je crois beaucoup moins au juridisme. Parce que moi, je sais que l'Union Européenne est une mafia, mais moi, j'y ai été pour le voir. Quand vous croyez au traité, que vous croyez que ces gens-là croient en leurs règles, vous voulez la seule erreur des miens, c'est d'avoir pensé qu'il y avait encore des gens honnêtes en face. Mais par contre, l'équation de la zone, qui est la zone sera en train de crever, sinon l'Allemagne devra payer, elle est toujours valide. La France n'arrête pas de s'enfoncer. L'Italie s'enfonce, l'Espagne s'enfonce. Ça, ça reste. Tout ça, ça reste. Les bilans target, ça reste, tout reste. Vous voyez, Vincent Brousseau, tout le diagnostic fait par Vincent Brousseau, Jacques Sapir, Norman Palma, Jean-Jacques Rosa, Jean-Claude Verbroek, Philippe Murer, tout reste, tout décaire. La seule chose, c'est que vous savez, l'UE vis-à-vis de l'euro est fait. Prenez l'exemple. Titanic, iceberg. Vous reculez le Titanic, mais vous l'accélérez au prochain cours. Vous en augmentez la vitesse. La seule chose que vous ferez, c'est qu'à un moment, quand il y aura match, ça démultipliera la force d'impact. C'est tout. Ils achètent du temps au prix de la vie des gens. Et on et n'aurait on pas... On n'a pas cru, et là peut-être qu'on a manqué d'imagination, ça je vous l'accorde bien volontiers, qu'ils étaient assez cyniques pour faire ça. En tout cas, certains des nôtres ne l'ont pas cru. Quant à l'Union Européenne elle-même... C'est-à-dire la fin de la en fait bah, bah, Premièrement... À force de faire vivre l'euro en détruisant les industries nationales, vous savez, un jour ou l'autre, un pays comme l'Italie va toucher le fond. Je vous rappelle que l'Italie ne crée pas de richesse depuis, le, depuis euh, je crois, l'année. Depuis 2002, 2003, 2004. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là en Italie Ouais, c'est drôle, parce que l'Italie, comme vous le savez, est la deuxième industrie de la zone. Donc c'est un pays très industrieux, l'Italie. Puis à un moment, sa courbe de croissance de richesse, l'année de l'entrée la, dans l'euro, se casse net. C'est très rare en économie d'avoir une, une courbe qui se casse net. Vous savez, un peu comme un bras ou une jambe qu'on pète. C'est vachement rare quand même. Un jour ou l'autre, l'Italie va toucher le fond. Et elle va toucher le fond comment Je vous l'accorde en mille. Tout simplement par sa disparition démographique, qui est en cours. Parce qu'à un moment, quand il n'y a plus les moyens du développement, c'est la population elle-même qui fait le mathusianisme. C'est-à-dire que la mamma, qui est la, quand même l'un des symboles de la culture italienne, va disparaître, est en train de disparaître. Et à titre personnel, ça ne me fait pas plaisir. Vous voyez, en réalité, l'UE est un parasite au sens biologique du terme. Il tuera les corps sains sur lesquels il vit. Point. Les Anglais l'ont compris avant tout le monde, ils sont barrés. Ensuite, vous avez un conglomérat d'impérialisme qui veille sur le parasite l'impérialisme allemand qui est un impérialisme secondaire et l'impérialisme américain qui est au, qui, pour qui l'impérialisme allemand est l'équivalent, je reprends le terme de Noam Chomsky, du flic de quartier. Le problème, c'est que le camp démocrate a en ce moment même des débats sur est-ce qu'il faudra sauver les Européens encore un coup Ce débat oppose jusqu'à plus ample à former, en tout cas c'était le cas il y a deux ou trois mois, quand ce débat s'est allé dans la presse démocrate. Euh, opposé côté euh, pro-UE, Madame Yellen, dont vous vous rappelez pour son œuvre tout à fait discutable à la Fed, et de l'autre, Monsieur Lawrence Summers. Vous vous rappelez de Big Larry Summers L'homme qui a tué le Glastigal Act, l'homme qui a rendu le monde financier américain encore plus riche, cet homme de gauche si sympathique. Je suis sûr que vous vous rappelez de lui. Il avait fait un super dérapage. Euh, une fois à la tribune je crois de pas de l'ONU mais d'une organisation internationale où il a dit oh, de toute façon vous savez ce qu'il faudrait c'est pouvoir mettre toutes nos poubelles en Afrique non parce que ne peut lui il pas donc tant qu'à faire on... Alors, on lui dit oh, quand même c'est un peu raide quand même t'es de gauche, ah oui c'est vrai <laughs> excusez moi j'avais oublié <laughs> et lui il dit mais de toute façon l'euro n'est plus utile à la domination du dollar maintenant tout le monde est au courant que l'euro était un fake donc à quoi ça sert de sauver. De... Enfin, si vous voulez, vous n'allez pas vous saigner pour sauver un pantin. Donc, vous voyez, même le camp démocrate commence à se dire la colonie commence à nous coûter cher. Est-ce que pour vous, le souverainisme a laissé passer sa chance en 2017 Non. Sûr que non. Si vous voulez, la souveraineté, c'est un fait permanent. La preuve La tsiprasisation de la droite par renoncement au sérieux souverainiste. Regardez ce que ça a fait de M. Salvini, et ce que c'est en train de faire de Mme Madame Mélanie. Madame Mélanie, le jour, le jour où elle a été élue, vous pourrez retrouver les images, j'ai dit, le, dit un coup pour rien. Et toute la droite, vous vous rappelez, était à quatre pattes devant elle, comme ils étaient à quatre pattes devant M. Kuntz. Moi, j'ai annoncé le, le ratage de M. Kuntz le jour où il a été élu. Bon, Salvini était plus anti-UE que Mélanie. Ouais. Mélanie a un échec, là c'est un échec lamentable, Mélanie. D'ailleurs, même les, les identitaires qui font des yeux de l'amour, parce que pour eux, l'UE, c'est Berlin, eh bien, sont obligés de dire, ah ouais, mais sur l'immigration, elle est décevante. Mais non, sur l'immigration, elle n'est pas décevante, crétin. Elle se soumet à un système que tu n'as toujours pas compris. Vous savez, vouloir le mondialisme sans l'immigration, c'est juste ne pas comprendre. Le visage de l'adversaire. Pourtant, l'adversaire ne vous ment pas sur sa nature. Je vais vous citer ce grand métaphysicien, un homme exceptionnel que j'ai eu l'occasion de contempler pour euh, de le voir travailler. Et c'est un homme qui m'a beaucoup impressionné, ne serait-ce que par sa résistance à l'alcool, monsieur Jean-Claude Juncker. Monsieur Juncker. Vous l'avez connu. Ah, bah, je l'ai. Moi, j'étais en poste quand. Et, oui. Ah non, nous, on était là quand il s'est mis à parler aux extraterrestres, etc. Euh, Donc, c'était voilà. un fait avéré. Ah oui, oui, oui. Il était arrêté de à tomber, oui bien sûr. Et encore, c'est n'est pas le pire. Hein. Vous avez eu des, des, des sorties en plénière qui étaient encore mieux. Hein. Moi, je me rappelle qu'il voulait construire une Tusk Tower pour Donald Tusk pour faire une tour plus haute que celle de Donald Trump. Oui, oui, il est, ah, il est. Il est il, il était déjà 10h30 du matin, il était fait comme un rat. Mais le, le, vous pouvez retrouver les images, elles sont mmh. sur les archives de, de, du Parlement. Le, il est fabuleux. Il a été génial, moi. Je, je... Ah non, on était dans les gradins à l'applaudir. J'y sais, J'y sais, J'y sais. Quel homme fabuleux. Le, Sans ironie. Ah mais est, il est le visage de l'Europe de demain. Entre lui et M. Verhofstadt. Alors, à vous de voir lequel des deux est de face, lequel des deux est le profil. Hein. Bon, Juncker a l'air plus sympathique que Verhofstadt. Mais... Oui, mais ça, c'est neuf. Oh, pas, pas de délit de sale gueule. Hein. <laughs> enfin, D'ailleurs, avec Verhofstadt, le délit de sale gueule, difficile à éviter. <laughs> mais la, la, le problème, c'est que. Le... Vous voyez, c'est ça l'Europe de demain, que vous le vouliez ou pas. Il n'y en a pas d'autre. C'est ça ou rien. Or, le problème, c'est que la souveraineté est une question ex existentielle. Comme toute question existentielle, vous ne pouvez pas la fuir éternellement. C'est aussi bête que ça. Bien sûr que ça se reposera. Vous ne pouvez rien faire sans. Mis à part laisser crever les vôtres. Et voyez, voyez le bilan, le, le beau résultat des Tsipras de droite. Parce que que n'avais-je pas entendu? Moi, quand mes équipes travaillaient sur la Grèce, et que je vous rappelle, toute la droite dite nationale française a laissé tomber la Grèce. Vous savez pourquoi Parce que l'agresseur n'était pas le bon. Les Turcs auraient tué autant d'enfants, même moitié moins d'enfants grecs, que l'UE n'en a tué. Ah, vous auriez eu des SOS enfants d'Athènes, on vous aurait fait des grands discours avec des, des très dans la voix, sur la Grèce, notre mère. Mais non, là, zéro pot de balle. Vous savez pourquoi Bah parce que c'est quand même la maison mère qui attaque. C'est Berlin. Voilà. Point barre. Là, là il y a plus Parce gauche aussi. Oui. Et on nous a dit, nous, nous on ferait jamais ça. Mais si, Kunz, Salvini, Meloni, les échecs lamentables de la bande de Strareux et du FPO, le caractère bouffon du nationalisme flamand, euh, la nullité de Vox, vous voulez qu'on continue Donc. Et en France en France, pas grand-chose. Pas grand-chose. En France, rien. Donc, si vous voulez, mis à part euh, un soutien inattendu à la Macronie. Et pourquoi, par exemple, Marine Le Pen a, a abandonné ce, ce Frexit Alors, premièrement, déjà, je pense que ça demandait... Et toute la question européenne. Finalement. Alors, euh, oui, elle a, toute la question de souveraineté, toute la question régalienne, elle a tout abandonné, en fait. Mmh. Bah, je pense tout simplement, déjà, parce que ça lui permettait de faire du vide dans les équipes déjà d'éliminer des personnes qu'elle n'arrivait pas euh, par absence de travail et de niveau à gérer déjà donc euh, vous parlez de Florian Philippot ouais. pas uniquement de toute la classe sociale qu'il a ramené avec lui moi bah, si vous voulez je, on le voyait dans les sections locales moi je vivais en Alsace à l'époque euh, tout ce qui savait lire et écrire venait des renfilippotistes c'était très net et n'importe qui qui a été euh, élu de ces parties-là à l'époque et qui est honnête on conviendra. Or, euh, bah c'est très simple, on a dit. Euh, et puis surtout, il y a un fait qui est très simple, qui est le lepénisme, c'est-à-dire qu'aucun des Le Pen ne veut le pouvoir. Ça débute avec le père. C'est tout bête. Ils n'ont jamais voulu le pouvoir. Et de toute façon, elle prend le pouvoir demain, vu ce qu'elle compte en faire, mieux vaut qu'elle ne le prenne jamais. Parce que sinon, nos idées sont mortes pour 40 ans. Parce que si. Et je, je sais que beaucoup de gens... Et vous dites la même chose d'Éric Zemmour, c'est ça Oui. Mais à part que... Parce que Zemmour, de, Zemmour par, là pour le coup, parce que il a, je pense qu'il a été euh, poussé par un certain clan et certains types de personnes, bon, qui pour beaucoup étaient des anciens lieutenants de Maigret, il hein, faut être très honnête, euh, mais qui eux, ont un projet idéologique, qui est le projet de la Nouvelle Droite. C'est-à-dire, qui, euh, qui a un projet de... Par de... exemple, Jean-Yves Le Gallou. Dans le genre. Peut-être. Je ne sais pas, moi je, je sonde pas le cœur et les reins, mais ouais. je sais ce que pense... Euh, si vous voulez, le, le gros problème, c'est que la, ce que j'appellerais la droite post-collaborationniste en France, sous ses différents visages, de toute façon, c'est l'existence de la France qui la gêne. Point. Là, par exemple, l'un des leurs a fait un manifeste chez Via Romana euh, contre le, la nation et le nationalisme. Je crois que c'est monsieur, je ne me rappelle plus qui c'est. Peu importe, l'un des leurs. Et euh, la nation, c'est très mal. L'Empire, c'est bien. Et puis à un moment, bah, il dit, euh, ouais, mais je suis pro-ukrainien quand même. C'est-à-dire que si vous voulez, la France n'a pas le droit de vivre, mais elle en ce qui a le droit de vivre. Voilà. Et le problème, c'est que... bah, Alors évidemment, ils ont une colère particulière contre l'immigration. Le problème, c'est que l'immigration est une... Si vous voulez... Moi, je n'ai absolument rien contre la pensée identitaire quand elle est faite par des gens intelligents. Regardez un homme comme Laurent Ozon, je crois, vous l'avez peut-être reçu peut-être. Voilà un homme intelligent. Le... Lui, il a compris que l'immigration est une incidente d'un système. Et le pire, c'est que l'ennemi ne vous ment pas. Quand l'ennemi vous dit libre circulation des biens, des services, euh, des biens, des services, des marchandises et des personnes, la libre circulation des personnes, c'est quoi ils ne vous ont à aucun moment menti. Quand Monsieur Juncker, in winow vous dit il n'y a pas de démocratie contre les traités, c'est-à-dire il n'y a pas de démocratie contre moi. D'un point de vue technique, il ne vous ment pas. Ces gens ne vous mentent pas. Alors après, on me dit ouais, mais les juges du Conseil d'État ne valent pas mieux. Alors je sais, premièrement, je suis d'accord. Enfin, on nous a un petit peu menti quand même à Maastricht euh, en 92, etc. Non mais bien sûr qu'on vous a menti. Voilà. Et, euh, qui vous a dit la vérité Excusez-moi bien, mm. moi j'ai pas eu le. le moi j'ai l'un des parmi les grands regrets de ma vie, c'est de pas avoir euh, euh, osé ce que j'aurais très bien pu euh, aller parler euh, et à Charles Pasqua et à Philippe Séguin qui étaient quand même des hommes d'exception. Vous Voyez, même à titre humain, ce que c'était par rapport à ce qu'on a là, quoi. On est passé au ministre de l'Intérieur de Charles Pasqua à Gérard Darmanin. Après, vous pouvez me dire qu'il n'y a pas de dégénérescence, mais bon, euh, pardonnez-moi d'avoir du mal à vous croire. Donc, le vous voyez le problème. On, nous, nous n'avions pas menti. On savait où l'Union Européenne allait. Et maintenant, eh bien, elle va à la guerre. Tout simplement parce que c'est tout à fait normal. C'est une chimère. C'est un organisme... Vous savez ce que c'est une chimère en génétique C'est un organisme qui ne doit pas vivre. Et quand une chimère meurt, il n'y a pas de raison de pleurer dessus. Le problème, c'est que la chimère veut vivre. Alors qu'elle appartient à la mort. Le, le, le symbole type, c'est Frankenstein. C'est la phrase de Frankenstein, nous appartenons à la mort. Bon. L'UE, c'est ça, c'est un truc qui doit mourir, mais qui préférera nous tuer tous plutôt. Et ça, j'y étais pour le savoir. Donc pour vous, la, la sortie de l'UE, c'est la priorité. C'est l'une. Bah, de toute façon, après Solino, il fallait voter Asselineau, donc en 2017 et 2022. Je, ce que je dis, on va être plus simple. C'est que soit vous ne faites rien. Peu importe que vous gagnez les élections. Madame Meloni a gagné les élections, oui, euh, l'Italie va-t-elle mieux Monsieur Salvini avait gagné les élections, l'Italie allait mieux Non, bien sûr que non. Alors, après, il y a une différence d'optique que vous pouvez avoir. dis de toute façon, ce qui est bien, c'est qu'on ait les places. Ok, assumez-le. Assumez-le. Le pouvoir est une épreuve. Là il y a aussi, une... il faut être honnête, hein. entre la vision que les souverainistes ont du pouvoir et la vision qu'une partie de la droite a du pouvoir, il y a aussi une différence anthropologique. Ce pas les mêmes hommes. Pour nous, le pouvoir est un moyen et une épreuve pour savoir si réellement on est les bons hommes qu'on imagine être. Pour d'autres, le pouvoir, c'est pouvoir euh, s'asseoir à la place de M. le maire et avoir toutes les prébandes de M. le maire à la place de M. le maire. Mais pas faire plus que M. Le Maire, c'est-à-dire de prendre ses ordres à Berlin. Et quand Berlin n'est pas disponible, de les prendre à Francfort. Bon. Alors après, ça peut nous opposer, moi, à titre personnel, si la prise de pouvoir du camp national, c'est juste de faire payer aux minorités l'absence de résultats et de devenir le Zelensky de demain qui, non content d'aller à quatre pattes lécher les bottes à Bruxelles devant der Leyen pour se venger, euh, aura trois phrases islamophobes débiles alors qu'il ne pourra pas arrêter les robinets de l'immigration. Parce que l'immigration, c'est une affaire de plomberie. Vous pouvez insulter l'eau parce qu'elle est voilée, mais la méthode souverainiste, c'est d'abord de couper le robinet. Mais comme vous, vous ne le ferez pas, vous allez avoir une emphase verbale sur les bas années. Le problème, c'est que ça ne les empêchera pas ni d'arriver, ni d'imposer leur démographie. Vous voyez oui. Je, je sais qu'une partie de la droite fait tout ce qu'elle peut pour ne pas penser politiquement. Ça, ça fait deux siècles que ça dure. Moi j'en ai rien à foutre, j'appartiens pas à la droite. Mais le, euh, le problème, c'est que, que vous le vouliez ou pas, la politique a des lois. Et comme le disent très bien mes amis américains qui. Euh, j'aime beaucoup le pragmatisme anglo-saxon parce que ça nous fait gagner beaucoup de temps. Le, le, la vie internationale est une grande table. Hein, un peu au sens John Wickien du terme, pour ceux qui connaissent. Hein, C'est une, une grande table. Ne s'y assoient que les souverains. Les autres. Ils font la vaisselle. Ils font la vaisselle. Voilà. Alors après, on peut vouloir que les peuples européens fassent la vaisselle. Mais alors, il faut peut-être dégonfler un peu. Il faut arrêter avec l'Iliade, l'Odyssée, tout ça, parce que. Euh, Homer a pas mérité ça, tu vois. Homer, il faisait pas la vaisselle. Même si les tâches ménagères ne sont pas sans noblesse. Comme disait Tonton flingueur. Est-ce que les Français le veulent vraiment, ça Est-ce Est que les Français veulent vraiment quelque chose Vous, par, vous parlez d'un peuple qui a été humilié depuis 40 ans. Et qui en a détruit tous ses communs. Qui n'a même pas pu qui a entendu un discours de, depuis les années 70, à droite comme à gauche, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, de disparition de lui-même. D'accord À qui on a tout pris. et ben mine de rien, c'est encore ce peuple-là qui s'oppose le plus à la déchéance en Europe de l'Ouest. Avec les roast beef, avec les Avec les britanniques, pardonnez-moi. Et le... Tout le reste consent à sa propre mort. Faut quand même le... le faut quand même se l'avouer. La plupart des peuples européens vont vivre un, une disparition joyeuse, euh, euh, câlins, nounours, bougies, euh, scrapbooking. Le projet actuel du gouvernement, c'est l'actualité du moment, c'est c'est la réforme des retraites. Mmh. Est-ce que cette, justement, cette réforme des retraites vient de, de Bruxelles Oui, bien sûr. Vous avez des tas de documents qui ne parlent que de ça. Et vous y êtes défavorable, donc. Alors, le, le, le problème, c'est que je suis contre tout ce qui vient de Bruxelles, oui. Déjà, premièrement, parce que la xénocratie, ça ne se négocie pas. Vous savez, on est debout ou on est à genoux. Il n'y a pas, de, il y a pas de, de station intermédiaire. Ensuite, il y a le problème, pour moi, de la, des retraites, est un problème qui, est avant tout, est un problème de statique et de dynamique. Mais là, vous avez, vous avez, je vous remercie beaucoup de m'avoir interrogé là-dessus. Parce que ça va nous permettre de faire une leçon de choses sur, quand on n'est pas en xénocratie, comment on doit penser à un problème. Parce que quand on est en xénocratie, bah, c'est très simple, hein, on, fait, euh, on fait ce que les gens de Je suis partout faisaient, c'est-à-dire on attend les ordres de la commandante tour. Les ordres sont arrivés, non, bah, on prend un café, on attend. Les ordres arrivent, à ah, Youpi, on fait. D'accord Quand on est souverain, voilà comment on doit réagir. Bon, la retraite, c'est quoi Problème statique. Le système de retraite français n'est pas un système intergénérationnel, mais intragénérationnel. D'accord Donc, à l'instant T, les caisses de retraite ne sont pas déficitaires. Ça, c'est un état de fait. Et elles le seront encore moins quand la caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES, aura terminé son œuvre. Donc, c'est pas un problème si urgent que ça en termes de financement. Là où ça devient un problème urgent, c'est dans l'aspect intergénérationnel qui est: comment peut-on avoir un pays où le capital symbolique, le capital immobilier, le capital euh, euh, et le capital physique et fiduciaire est tenu par une seule classe d'âge, enfin par la partie bourgeoise d'une seule classe d'âge. Ça c'est un vrai problème. D'accord Le problème, c'est que là, pour le coup, c'est un problème d'âge de la retraite, mais c'est surtout un problème de montant des pensions. C'est-à-dire qu'il y a une partie des retraités qui est beaucoup trop pauvre, les retraites agricoles, les retraites paysannes, et il y a une partie des retraités qui est trop riche par rapport à ce que leur génération a apporté à la France. C'est un état de fait. C'est-à-dire Qui sont-ils Boomers. Boomers. Évident. Or le problème, c'est que ce sont des gens qui sont déjà propriétaires, multipropriétaires, et vous, avez, euh, vous maintenez des, des retraites agricoles et paysannes qui sont sous le seuil de pauvreté, et vous vous, vous permettez de payer des retraites, euh, de, alors certes, en nombre très restreint, mais vu qu'elles sont entre 4 000, 5 000, 7 000, 8 000 euros, euh, elles sont rest très restreintes en nombre, mais elles, euh, elles pèsent énormément. Et surtout, elle pèse symboliquement énormément dans un pays qui est en train de flinguer, non pas ses vieux, mais sa jeunesse. Premier moyen de, de, de penser les retraites. Deuxième moyen, évidemment, la clé démographique. Ensuite. Relancer la natalité Bien sûr, nécessairement. Ensuite, le, le problème de. Alors, moi, je ne suis pas du tout pour la capitalisation comme comme tous les réganiens, euh, les réganiens retardés euh, qui ont trouvé euh, en, en, en Lisnar le nouveau Alain Madelin, à la c'est-à-dire euh, enfin un homme qui, euh, qui a 40 ans de retard intellectuel, super. Il hein, euh, y, y a un côté hibernatus dans la pensée de droite qui est quand même génial. Hein, euh, plus c'est réac, plus c'est neuneux, plus c'est dépassé, plus on aime. Mais euh, c'est une sorte de loose pride. Il faut, faut enquêter là-dessus psychanalytiquement. Euh, mais par contre, on pourrait tout à fait, en utilisant l'épargne, vu que les Français sont restent, même s'ils sont appauvris, l'un des peuples écureuils de l'Occident, l'un des plus économes, on peut utiliser l'épargne des Français comme, comme l'un des plus puissants faux souverains au monde. Vous voyez, à partir de cette simple question de retraite, là, d'un seul coup, quand, quand de quand, capitalisation, est, quand on est souverain, premièrement avec les garanties, mais moins le côté... Euh, Moins le côté, euh, si vous voulez, euh, coupe-jarret, euh, coupe euh, voleur de montre à gousset, enfin le, moins le côté rapine, quoi. Parce que rappelez-vous que les entreprises en France qui avaient fait de la capitalisation, rappelez-vous de M. Messier, M. Euh, Vivendi Universal, il y a 25 ans, euh, il a ruiné tous ses salariés épargnants qui avaient mis leur retraite dans l'entreprise. Vous voyez, l'allergie à la capitalisation des Français, elle a aussi des bases vécues quand même. Donc, alors que là, dans un fonds souverain, si vous voulez, là pour le coup, vous pouvez vous permettre des garanties. Et là, là, on peut commencer à discuter. Mais là, pour le coup, vous voyez pourquoi on évite ce genre de questionnement tel que je viens de les faire. Parce que qui dit ça Dit que les Français redeviennent copropriétaires de leur économie. Donc ils entrent dans une dynamique d'économie politique d'accumulation de puissance, de participation pris au sens gaulien du terme. Et là, pour le coup, la classe rentière et la classe européiste commencent à claquer des dents. Pire que ça, si vous rendez les Français copropriétaires de leur économie, vous allez changer les rapports de travail. Donc terminer les petits, les petits patrons tyrans, les petits chefs. Mais deuxièmement, c'est pour ça que, le, que la droite française s'est opposée à la participation gaulienne. C'est pour des questions de pouvoir. Mais deuxièmement, vous allez en terminer avec une culture syndicale qui repose sur le simulacre. Parce que là, qu'est-ce qui se passe dans la rue Vous avez des milliers de Français qui défilent contre Macron parce qu'ils sont chauffés à blanc depuis les gilets jaunes. Mais là, ils ont compris que planquer derrière les syndicats, les flics n'oseraient pas faire les exactions dont la police française est aujourd'hui coutumière contre le bon peuple. Parce qu'il ne oui, faudrait quand même pas qu'ils aient bon une Martinez au passage. Le... Alors que les syndicats savent très bien que les gens ne défilent pas pour eux. Puis les syndicats sont gênés aux entournures. Je vous rappelle que tous les syndicats français. On va appeler à voter Emmanuel Macron. Et sont financièrement dépendants de la Confédération européenne des syndicats, qui elle-même est, est économiquement dépendante de la Commission européenne, ordonnatrice du projet. Vous comprenez que ça pose des problèmes parce que tant que vous êtes dans l'UE, vous êtes dans une démocratie Potemkin, où tout est faux. Point. Ben là, c'est pareil. Donc, le souci, c'est que là, les syndicats sont là, vis-à-vis -vis de cette opposition sociale, pour la corneriser. Mais je ne suis pas sûr, vu le nombre, que ça marche. Mais vous voyez que si on revient à une démarche normale, souveraine, d'économie politique, de pas légitimité... Pas besoin de revenir sur l'âge légal. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que dans un monde souverain, il y a toujours des alternatives. Quand vous êtes dans le there is no alternative, premièrement, vous êtes dans un raisonnement autodestructeur pour les populations. Vous savez pourquoi Parce que vous êtes dans un raisonnement morbide. Parce que le, la seule chose où il n'y a pas d'alternative dans la vie, c'est la mort. Tout simplement. Et en réalité, vous avouez que devant le réel, vous manquez de courage et vous manquez d'imagination quand vous dites there is no alternative. Mais quand... Et surtout, vous avouez surtout que le pouvoir n'est pas à vous, qu'il est à des gens autres que vous. Et que vous, bah, vous êtes un lampiste. Et ça, en démocratie, les lampistes a rien de pire. Parce que la démocratie est un régime de responsabilité. Vous savez, c'est la grande notion gaulienne faite par le, un des grands philosophes du XXe siècle, qu'on a refus, qu'on refuse de, de mettre à son rang, alors que même Raymond Aron voyant lui un maître. Parce qu'il était prêtre, qu était Gaston Fessard. La notion de prince esclave. Aujourd'hui, il n'y a que des princes esclaves. Comment vous voulez respecter un prince esclave Et comment Emmanuel Macron a-t-il pu être réélu Pour une raison que très simple. Il utilise euh, la classe bourgeoise et la classe âgée qui, parce qu'elles ont un, un électroencéphalogramme plat depuis 40 ans en France, il suffit euh, d'injecter la seule chose à laquelle elles réagissent qu'elles la peur. De voir leurs économistes en. Oh, voler. mais vous, le, vous pouvez leur faire les peurs avec n'importe quoi. Les banlieues vont fondre sur les villes. Euh, euh, L'euro protège vos économies. L'euro protège vos économies. Il est en train de ruiner les classes âgées. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. En plus, ils sont dépendants. Une personne âgée en France passe 4 à 6 heures devant, devant la télé par jour. Donc vous pouvez leur faire croire n'importe quelle peur millénariste. Hein euh, ne t'approche pas du bébé s'il éternue tu vas tomber raide boum le non, mais voilà quoi euh, attention euh, est-ce que tu as vu éternuer le chat peut-être que le chat aussi peut te tuer enfin le le tu vois le... on leur a tout fait pendant le covid là maintenant on leur fait les, les trucs surtout euh, fermez bien vos fenêtres à double tour au cas où Poutine essaierait d'entrer dans votre appartement dans la nuit non non mais il le... n'y a, a pas de souci tu, tu peux leur faire tu ils sont ils sont ouverts comme la porte des étoiles tu peux y aller donc le le problème, c'est que ces classes-là réagissent à la peur et que nous ne sommes pas arrivés, et c'est tout à fait normal, puisqu'il n'y avait pas d'enjeu, à faire ce que Trump a fait, c'est-à-dire sortir massivement des gens de l'abstention. Tant que nous n'y arriverons pas, nous n'aurons pas de déport de classe, donc nous ne serons pas élus. Et là, pour le coup, je peux dire qu'on n'en prend vraiment pas le chemin. Ça nous laisse de l'espoir. Merci beaucoup, Pierre-Yves Rougeron. Merci à nos auditeurs et aux internautes. de Libre, de Livre Noir. Merci à vous. De nous avoir suivis pendant cette émission passionnante, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, d'aimer cette vidéo. Vous pouvez aussi nous soutenir sur notre site, livrenoir.fr. Encore un grand merci à vous, Pierre-Yves Rougeron, d'avoir accepté notre invitation. Et à bientôt. Très merci. bonne soirée à tous.